Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où nous allons parler des jeux mathématiques en maternelle avec plein de nouveautés ludiques. Nous vous laissons arriver, puis je vais vous parler un petit peu de comment va se dérouler ce nouveau webinaire. Donc c'est bien, vous arrivez tranquille, tranquille, installez-vous confortablement pour que nous puissions passer cette heure ensemble où nous avons plus d'une vingtaine de jeux à vous présenter encore aujourd'hui. Donc on a évidemment... On a vu d'après vos profils que vous étiez pleinement concernés par cette thématique. On essaye de vous montrer les dernières nouveautés, ce qu'on a repéré dans cette catégorie, donc pour les jeux mathématiques en maternelle. Que vous dire en vous laissant arriver? Alors, le prochain webinaire, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Pour l'instant, vous ne pouvez pas encore vous inscrire, mais ça sera possible tout à l'heure. Le prochain webinaire sera le mercredi 11 mai à 14h30 encore, sur les jeux de société en langue étrangère. Ce sera Guillaume Garçon, professeur de FLE à l'Université de Créteil, qui animera ce prochain webinaire. Donc, on vous mettra toutes les informations sur le site très rapidement pour que vous puissiez vous inscrire. Je vous rappelle un petit peu le principe, donc je vais passer la parole à Étienne qui va vous présenter le didacto, le thème du jour, puis vont alterner Étienne et Laurence dans la présentation des jeux et moi sur le site. Je reste présente tout au long du webinaire à l'écoute de vos questions, donc vous avez le petit QR qui est en bas de l'écran, vous pouvez me poser des questions et si besoin d'intervenir ou de demander des explications supplémentaires par rapport au jeu qu'on vous présente, n'hésitez surtout pas. Voilà, voilà. Nous sommes toujours présents donc voilà, sur le site, les commerciaux aussi sur le terrain à venir vous présenter les jeux. Donc, vous cherchez sur le site, il y a un commercial est présent pas très très loin de votre structure pour venir vous présenter les jeux. Ou contactez-nous sur contact@didacto.com pour qu'on vous communique leurs coordonnées. Voilà, voilà. Je pense avoir... On va vous laisser arriver. Je vois les petits coucous qui arrivent, les bonjours. Alors, on va se retrouver. Oui, j'ai vu sur vos profils que ce soit des psychologues, des enseignants, des parents, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs. Donc, et je pense que c'est France, étranger également. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'ai tous les petits coucous. On va pouvoir commencer tout de suite avec la présentation d'Étienne, parce que évidemment nous avons plein de jeux et c'est compliqué de ne faire qu'une heure avec une telle sélection de jeux. Je vais passer la parole à Étienne. Voilà Étienne, je vous laisse la parole. Merci Sabine. Bonjour à tous, merci d'être là et donc quelques mots rapides pour introduire ce webinaire. Juste un truc, Sabine, que vous n'avez pas dit et que vous dites d'habitude, c'est que le catalogue avec les jeux qui sont présentés vous sera envoyé d'ici quelques jours par mail à tous les inscrits, présents ou non présents aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ne peuvent, peuvent pas être là juste aujourd'hui, mais qui ont quand même manifesté leur intérêt, et de même que l'enregistrement du webinaire par vidéo. Donc vous recevrez tout ça pour pouvoir revoir et prendre connaissance du jeu. Donc vous pouvez prendre des notes, bien entendu, mais pas la peine de tout noter frénétiquement. Vous aurez tout qui vous arrivera tranquillement dans votre boîte aux lettres. Donc, quelques mots donc, pour introduire le webinaire. Pour vous dire que quand on a décidé de l'organiser il y a quelques semaines, on ne se doutait pas que le sujet des maths à l'école deviendrait un des thèmes de cette campagne présidentielle, avec le fait de remettre les maths dans le tronc commun. Alors évidemment, on parle plutôt du lycée que de la maternelle, hein, mais oui, en effet, la France baisse dans les classements et donc chez Didacto, on se mobilise pour les mathématiques de la maternelle, donc au lycée et au-delà. Donc, mais au-delà du clin d'œil, ce webinaire qui est consacré donc aux jeux mathématiques en maternelle est vraiment sur notre socle de compétences, puisque nous, on propose
chez Didacto, plus de 500 jeux et outils pédagogiques divers autour de cette thématique-là. Quand je dis outils pédagogiques, des dés, des géoplans, des réglettes, et puis des choses qui sont plus de l'ordre du jeu de société. Alors certes, pas tous à destination des maternelles à nouveau, évidemment, on travaille aussi beaucoup en élémentaire. Mais c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur parce que, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, j'ai vu un peu les profils des différentes personnes inscrites. Les années de maternelle sont vraiment déterminantes dans l'apprentissage des maths et le programme pour l'école maternelle qui a été révisé l'année dernière met en avant l'enjeu du développement de ces compétences mathématiques dès le cycle 1 et à travers en particulier le jeu qui est cité nommément, ça tombe bien, à travers la manipulation bien sûr et la résolution de problèmes. Et tout ça avec deux objectifs principaux. Le premier qui est de découvrir les nombres et leurs utilisations, et le second qui est d'explorer les formes, les grandeurs et les suites organisées. Alors, c'est un peu tout ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je voulais juste faire un petit focus sur un truc qui me tient à cœur, qui est la philosophie d'apprentissage des mathématiques, et insister sur la place des enfants dans ces apprentissages. Parce que jusqu'à récemment, les maths en maternelle étaient inclus dans le domaine du programme intitulé « Découverte du monde ». Et ce n'était pas un hasard, parce qu'en effet, les mathématiques sont bel et bien, et d'ailleurs à tous âges, une clé pour découvrir et comprendre le monde, en quelque sorte en cercle concentrique. C'est-à-dire qu'à l'école maternelle, l'enfant découvre d'abord le monde proche, à l'aide des repères spatiaux, temporels, de l'observation, il pose des questions, il progresse dans la formulation de ses interrogations. Et puis, il apprend à adopter un autre point de vue que le sien et à développer au fur et à mesure le goût du raisonnement. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre l'enfant dans une posture de découverte et de compréhension, un peu comme un observateur, un peu curieux, qui progresse en interrogeant le monde. Et puis, en effet, miroir, il y a l'enseignant qui va évidemment, au travers de ses propositions pédagogiques et des situations qu'il met en place, permettre à l'élève d'agir, d'observer, d'interroger et de construire de façon progressive. Donc, par exemple, si on va demander au petit de dessiner un rond, au fur et à mesure de sa progression, de dessiner, on va passer à reconnaître, nommer, reproduire, vérifier en utilisant des instruments, utiliser dans la résolution de problèmes, voilà. Donc, bon, évidemment, là, on n'est plus en maternelle, mais on voit bien que l'action devient de plus en plus experte. Et c'est en cela que les mathématiques sont une discipline cumulative, en fait, où on ajoute à chaque fois un étage. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est autour des fameux géoplans, à partir de 2,80 € chez Didacto, où on va commencer par de la manipulation libre, puis de la reproduction des formes, puis créer une forme à partir d'une autre, travailler sur deux échelles différentes, on a des petits et des grands géoplans, aborder la symétrie, les coordonnées. Donc, avec tous ces outils, on peut vraiment aller assez loin dans la progression, et je ne parle même pas des réglettes, qui sont aussi un outil extrêmement puissant. Donc, on voit que pour progresser, il faut placer l'élève dans une démarche de questionnement, d'initiative, d'engagement, d'anticipation, parce qu'un élève en difficulté, c'est souvent un élève qui a, et je pense que vous le constatez au quotidien, qui a une représentation statique de l'activité mathématique, une posture passive où il note ce qu'on lui dit, mais le sens évolutif en rapport avec son environnement n'est pas toujours compris. Donc, d'où l'intérêt de travailler les maths en maternelle de façon extrêmement concrète, très terre-à-terre, où on prend appui sur des collections d'objets, sur du matériel concret, manipulable. Et d'ailleurs, en maternelle, l'idée, c'est de repousser quand même au maximum le travail sur des fiches et sur les photocopiers, au moins jusqu'à la grande section, quoi. Et c'est là, évidemment, qu'on revient au jeu et qu'on en saisit tout l'intérêt dans ce processus d'apprentissage cumulatif. Donc voilà, pardon d'être un peu théorique et de répéter les choses que vous pratiquez pour la plupart au jour le jour, mais les maths, c'est un enseignement qui, à la fois, se réfléchit et qui se vit, quoi. Au quotidien. Alors, à titre d'exemple, c'est vraiment important qu'on puisse citer et s'arrêter deux minutes sur une expérimentation que nous sommes en train de mener en ce moment
avec une maternelle de Vitry-sur-Seine. Donc, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Certains d'entre vous ont peut-être vu la première vidéo sur nos pages Facebook ou Instagram. En fait, au-delà du fait de vendre, et on est content, c'est formidable, mais des jeux à telle ou telle classe ou municipalité, on a voulu voir ce que ça donnait quand une école mettait pendant plusieurs mois le jeu mathématique en avant, au cœur de ses apprentissages. Donc, sur une durée longue, qu'est-ce qui se passe quand le jeu mathématique est longuement au cœur de la classe et des apprentissages? Donc, on a fait un partenariat qui a été validé par l'Académie de Créteil avec une école de Vitry, qui est l'école Daniele Casanova. Et pendant tout un trimestre, le jeu éducatif est au cœur des activités mathématiques de toutes les classes de l'école Casanova, avec deux grosses séances par semaine, une grande variété de jeux et une évolution dans les jeux qu'on prête, des ateliers où didacto participent, des jeux qui sont aussi prêtés dans la famille, dans les familles. Et on va voir comment progressent les classes, les élèves et en particulier ceux qui sont en difficulté. Donc, on est vraiment fiers et contents de cette aventure pédagogique qui commence et on vous invite à la suivre donc, sur les réseaux sociaux. On espère que ça fera des petits et que ça sera suivi par d'autres. Avant de passer la parole à Laurence et de commencer à vous présenter les jeux, un dernier petit point pour dire qu'il y a deux super tutoriels à télécharger depuis notre site internet, donc dans la partie du menu qui s'appelle services et ressources, qui liste les jeux mathématiques à utiliser, un en maternelle et deux en élémentaire, par compétence et par classe. C'est un tableau Excel, hein, voilà, mais enfin il est assez long, on parle de centaines de jeux différents. Voulez-vous, j'allais le montrer maintenant. Ah ben, allons-y. Comme d'habitude, aujourd'hui on parlera plutôt de nouveautés, mais il y a évidemment plein de choses qui sont pas dans les nouveautés. Et lorsque vous avez un besoin spécifique, c'est intéressant de pouvoir vous y référer. Donc, Sabine, je vous passe la parole tout de suite. Donc, pour revenir à aujourd'hui, on a sélectionné une grosse vingtaine de jeux ordonnés autour de différentes compétences qui sont demandées aux élèves de maternelle. Donc trier, associer, comparer, ordonner, alors parfois les jeux peuvent un peu être dans les différentes compétences parce que ça se recoupe un petit peu, compter bien entendu, du repérage spatial et de la logique. À chaque fois, on a entre 3 et 5 jeux. Donc à vous Sabine pour les tableaux et puis à vous Laurence pour commencer sur ces jeux et moi je vous dis à tout de suite. Voilà. Merci Étienne. Justement, oui, j'allais venir à ces tableaux. Donc, comme je vous ai montré là sur le site, dans services et ressources, vous pouvez aller dans bien choisir vos jeux. Et là, vous avez les petits tutoriels et catalogues PDF. On arrive sur cette page où vous retrouvez donc choisir les jeux pour travailler les mathématiques à l'école maternelle, travailler les jeux mathématiques pour l'élémentaire également. Et donc, ces tableaux-là, voici. Donc, ce que Étienne disait, donc trier, associer, comparer, ordonner, dénombrer, vous en avez plein, qui ont été aussi décomposés pour les différentes sections de maternelle, donc petite section, moyenne section, grande section. Et quand vous ouvrez le tableau, vous pouvez cliquer sur le lien et directement ouvrir le site. Donc, c'est voilà, les jeux que nous allons vous présenter aujourd'hui seront dans cette sélection. Tous les jeux qu'on va vous présenter aujourd'hui seront dans le tableau que je vous ai montré. Là, nous allons, on en a extrait quelques-uns parmi les dernières nouveautés pour vous montrer. Donc, Laurence va commencer avec les jeux triés en mathématiques, en maternelle. Moi, je vais alterner avec les pages du site. Voilà. Donc, trier les ours. Si. Donc, je vais reprendre comme on faisait sur les webinaires précédents. Je vous montre le site, la boîte fermée qui est régulièrement sur le site. Et après, Laurence ou Étienne vous montre l'intérieur du jeu et vous explique le matériel, le jeu en lui-même avec des explications, etc. Et comme ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le site. Voilà. Laurence, je te laisse la parole pour la présentation du jeu. À toi. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour vous présenter des jeux mathématiques qui sont
au cœur de notre activité. Alors, on commence donc effectivement par des ours de tri. Alors ça, ce sont des ours courants, hein, qui sont tous dans beaucoup de boîtes. Vous avez une pince à mettre à disposition de l'enfant ou pas, mais enfin, en plus, hein, les pinces sont bien utiles pour muscler les petits doigts. Et vous avez des planches en bois. Alors, il y a des planches où c'est juste, on va travailler sur la taille des oursons, donc il va falloir repositionner dessus les ours de la taille adéquate. Là, c'est du tri par couleur, les verts d'un côté, les bleus de l'autre. Ici, il faut positionner les ours sur les petits points de couleur et il y a également une notion de taille. Donc là, c'est pareil sur le rouge et le jaune. Ici, dans les petites grottes, il va falloir mettre des ours dans certaines quantités, dans certaines couleurs. Voilà. Et là, on va remettre les ours par taille et par couleur. Voilà. Et tout est en bois, donc ben voilà, vous pouvez le mettre dans votre classe, ça va résister longtemps. À toi, Sabine. Je crois qu'on a perdu Sabine. Sabine ? Oui, Laurence. Tu nous montres le jeu suivant ? Oui. Wriggles Worms. Donc là, on a un kit d'activité de motricité fine avec des vers de terre qui gigotent. Voici donc la boîte. Voici le contenu. Voilà. On est encore avec des pinces, mais un autre moyen de préhension des pinces. À toi, Laurence. Alors, là, vous avez un jeu, mais qui est trop, trop mignon. En fait, c'est un jardin. Et là, vous avez des petits enclos. Et il y a plein de choses à faire à ça. Avec ça. Donc, ça peut être, par exemple, mettre des petites étiquettes ici devant. Voilà, je mets, vous voyez, des petites étiquettes comme ça. Voilà, et on ne voit pas mieux. Avec des quantités, donc l'enfant va devoir mettre les quantités dedans. Ça peut être trié par couleur. Voilà, alors vous avez vu les verres, ils ont des tailles différentes. Voilà, donc on peut mettre tous les verres dans le jardin. En les faisant dépasser tous de la même hauteur, ce qui fait qu'on ne voit pas qui est petit, qui est grand. Et ensuite, on peut se servir de cette petite roue-là. Voilà, donc je fais tourner la roue qui va me demander d'aller prendre un verre violet. Donc, je vais aller tirer un verre violet et ce verre violet, je l'ai gagné. Et à la fin, on pourra regarder qui a le plus grand nombre de verres, qui a les verres les plus grands. On a également des petites fiches comme ça à compléter où bah, je vais le mettre là, ça va être mieux. Voilà, là j'ai un petit vert, un moyen vert et un moyen orange, qu'est-ce qui manque? Bah, voilà, c'est une boîte avec plein de choses à faire et au début bah, de la manipulation libre parce que bah, c'est juste on a très envie de jouer avec ça. À toi, Sabine. Merci, Laurence. Alors, nous continuons toujours dans le tri et nous avons Pick Me Up. Donc là, on est chez Jeco. Voici le plateau, les petits jetons, le dé et le fonctionnement. Voici. Je ne vous annonce pas le prix à chaque fois, vous le voyez. Et comme Étienne vous l'a dit, d'ici quelques jours, on vous envoie le catalogue avec tous les jeux que l'on aura vus. Et je vous mettrai aussi le catalogue des jeux que l'on a vus avant. Laurence, on me demande pour combien d'enfants ? Excuse-moi, c'était le jeu d'avant. Les vers de terre ? Oui, je pense que tu étais sur le sujet du vers de terre. Bah, c'est, on peut, si c'est du tri pur, ça va être plus un enfant tout seul, mais avec la roue et le petit jeu de société, on peut mettre 4 enfants. Merci. Donc voilà, à toi pour Pick Me Up. Alors, Pick Me Up, c'est un jeu à partir de 5 ans. Donc, il est un petit peu plus difficile que les jeux qu'on a vus avant. Donc là, vous avez un tableau avec ici au milieu plein de caractéristiques. Et on a partagé tous ces jetons-là entre les joueurs. Donc, vous voyez, c'est très varié. Il y a des couleurs, il y a des objets, il y a des rayures. Voilà, il y a plein de choses. Et on a chacun un jeton. Voilà, chacun un petit jeton, là. Alors, chaque joueur à son tour va jeter le dé.
Je fais 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive sur une case avec une caractéristique. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai du mal monter le plateau. En fait, quand on arrive sur une case de couleur, on va trier tous les jetons en sa possession qui ont cette couleur. Vous voyez, par exemple, la violet, j'ai le raisin. Et je vais aller rechercher le raisin là. Voilà, et je vais le poser là. Si j'arrive sur une... Les deux pièces, celui avec l'arc-en-ciel et celui avec les points, non ? Arc-en-ciel, c'est un peu un genre de joker. Si je tombe sur des pois, je vais regarder si j'ai quelque chose avec des pois dans mes jetons. Ça peut être un léopard. Si j'arrive sur des légumes, je vais mettre tous mes légumes. Et si les enfants ont un doute, il y a un petit carton là avec, qui répertorie tous les jetons. Voilà. Donc, c'est du tri, mais de manière sérieuse avec plein d'entrées. C'est pour ça que c'est 5 ans. À toi, Sabine. Hop, hop, hop. Donc ensuite, Pick Me Up, nous avons l'atelier des œufs logiques. Donc là, on est surtout sur beaucoup de matériel et plein de manipulation. Ouais, ils sont des gros, gros œufs. Donc, jeu de logique et de manipulation de grande taille avec des œufs grandeur nature. On est bientôt à Pâques. C'est parfait. À toi, Laurence. Alors là, c'est très gros, comme vous pouvez le voir. Il y a des œufs pour la taille des œufs, mais des œufs, les gros modèles, hein, ce qu'on prend pour les gâteaux. Voilà. Donc les enfants vont pouvoir les gérer librement sur leur plateau. Donc faire du tri par couleur, faire des colonnes, faire des lignes, etc. Et ensuite, on a des fiches. Donc on a des fiches avec des motifs. Qui vont, vous voyez, voilà, une fleur, un poisson, toutes sortes de motifs. Et alors là, la planche est complète. Et ça, c'est les niveaux progressent. Donc ensuite, voilà, on a des bouts de motifs qu'il va falloir reproduire ou mettre en symétrie. Voilà, l'atelier œuf. On a trouvé ça original, différent et intéressant de par sa grande taille. Et a priori, bien apprécié par les premiers clients qui les ont reçus. À toi, Sabine. Donc là, on a fini sur les jeux présentés concernant le tri. Et maintenant, on va parler de jeux sur l'association, donc associés. Là, on a cherche et compte. Je vous montre la boîte et le contenu. Voici. À vous, Étienne. Ok, je termine d'installer, pardonnez-moi. Ah, j'étais un peu rapide. Mais bon, donc, tout va bien. C'est un petit bug là, non ? Ça saute un peu la caméra ou c'est moi ? Non, vous, c'est bon ? Non, ça va. C'est juste sur mon écran, c'est pas grave. Donc, on est sur la compétence associée. Bon, associer, trier, ordonner, c'est pas toujours différent. Hein. Donc, les choses se recoupent un petit peu. On est chez un éditeur hollandais qui s'appelle Toy for Life, que je vais vous montrer avec l'autre caméra. Tac. Voilà. Donc, il fait que des jeux comme ça, des jeux extrêmement simples, basiques, en bois, bien fait, autour d'une compétence particulière. Donc, on reprend vraiment les basiques de l'apprentissage et c'est très utile et on a vraiment craqué pour ces jeux. Donc là, apprendre à compter globalement de 1 à 10. Alors, on est sur des associations. On a comme ça 6 images différentes. Ce sont des planches en bois. 6 images différentes avec à chaque fois, donc, un certain nombre de petits personnages ou sujets à trouver. Donc, par exemple, sur cette image de camping, combien on trouve de tentes ? Donc, on peut travailler tout simplement en mettant, par exemple, un jeton sur chaque tente que l'on trouve dans l'image. Hop, donc là, il y en a 5. Okay, on peut également plutôt choisir de les mettre sur les abacs qui sont là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5.
À ce moment-là, on met donc dans le, vous voyez, dans le petit support en bois pour pouvoir faire correspondre la tente aux abacs qu'on a mises là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, évidemment, c'est autocorrectif, puisqu'on a la correspondance ici avec le chiffre et le nombre de petits points de ce qu'on doit faire trouver. Donc, on a donc là, on avait les tentes, on a les petits oiseaux, l'angle d'humain, les petits lapins, etc. Donc, les enfants regardent dans l'image, cherchent, trouvent, comptent, comparent, etc. Donc, un jeu assez complet et assez intéressant avec six images différentes. Voilà, très bonne qualité. Et on le voit alors, on aurait pu, par exemple, quand on voit ça, les cinq et les cinq petites constellations, on aurait pu aussi vous proposer aujourd'hui. Par exemple, des dominos avec différentes représentations, comme dans des jeux, comme par exemple Numédingo, un grand classique, ou alors mon premier jeu des chiffres chez Ozu. Mais bon, on est plutôt sur les nouveautés, mais sachez que dès comme ça, on en a aussi beaucoup. Et entre autres, par exemple, à l'école Casanova dont on parlait tout à l'heure, ils nous en ont demandé et on est parti sur des triominos, par exemple. Voilà, à vous, Sabine, pour la suite. Merci. Donc la Veggie Farm qu'on va vous présenter ensuite, donc on est chez Learning Resources. Voici la boîte, le contenu. Vous voyez au niveau de la manipulation. Et je monte le jour. N'hésitez pas à m'interrompre ou à nous faire des remarques si on va trop vite, si on ne va pas assez vite. Savoir comment ça se passe pour vous ce webinaire. À vous, Étienne. On a un vrai petit problème d'écran. Là. Moi, je voulais. Tac, voilà. Alors, Veggie Farm, le voici, le voilà. Donc, on a un vrai petit, potager. C'est un peu comme une petite boîte à outils. Il faut le prendre comme ça. On a des légumes, tous les mêmes légumes, maïs, oignons, citrouille, une sorte de navet et un brocoli, dans cinq couleurs différentes. Et on peut en faire beaucoup de choses. On peut en faire du tri, on peut en faire du classement. On peut demander, on peut les ranger différemment et demander à l'enfant de rapporter, par exemple, trois légumes verts. On peut les mettre dans tous ces petits paniers de rangement derrière et lui demander, par exemple, on a également ces petites tuiles en carton où il y a les chiffres qui sont indiqués, les couleurs et les types de légumes. Voilà. Donc, il dit, voilà, rapporte-moi trois légumes oranges et deux légumes verts à mettre dans le panier. On peut lui dire, voilà, si tu mets deux légumes verts dans le panier là et deux légumes rouges ou deux brocolis dans l'autre panier, tu as combien de légumes en tout ? Est-ce que tu peux mettre tous les maïs sur une même ligne ? Et puis ensuite les répartir. Enfin voilà, c'est comme une petite boîte à outils pour aider à évidemment compter de 1 à 5, associer, comparer des légumes, voilà, des légumes similaires. On trie, on compte, on va du panier au potager et vice versa. Voilà, donc plein d'activités à faire. On peut dire seul ou à deux, quoi. Voilà, Sabine. Merci. Farm chez Learning Resources. Ouais, là maintenant on passe avec la paire parfaite qui est un jeu de mémoire et d'association chez Base Toys, petite boîte métallique avec des cartes à l'intérieur où Tiana va vous expliquer le principe. Donc on est encore dans la partie association. Voilà, la paire parfaite, alors c'est un jeu également, on pourrait dire c'est un jeu de langage. C'est on est sur un jeu, oui, en effet, un jeu d'association. Je cherche le nom où il faut associer deux trucs, un mémo. On a toutes les tuiles qui sont retournées comme ça, il y en a beaucoup, et chacun a trois petites cartes un peu plus souples comme ça, et sur ces petites cartes, vous voyez, il y a donc là on a un casque, un cochon et un pot de fleurs. Et il faudra retrouver là-dedans, non pas la même chose, le casque, le cochon, le pot de fleurs, mais quelque chose qui s'y rapporte. Et c'est tout l'intérêt de ce jeu, d'être sur des choses qui sont proches. Par exemple, je tourne celle-là et j'ai de l'argent qui va avec le cochon, qui n'était pas un cochon d'ailleurs, mais qui était plutôt une tirelire.
Donc voilà, là pour le coup, j'ai associé les deux, j'ai gagné le truc et je reprends une autre carte pour faire ensuite une autre association avec le lapin dont j'ignore absolument avec quoi il peut s'associer. En tout cas, le casque, c'est avec le petit scooter. Donc voilà, on tourne et quand on... Voilà, tout simplement. Donc de l'association, mais aussi du vocabulaire et un peu original par le fait d'apparier des choses qui ne sont pas les mêmes, mais qui ont des rapports entre eux. Donc ça crée aussi la discussion. Voilà pour la compétence associée. On va venir maintenant au fait de comparer des choses. À vous, Sabine. Et je repasse la parole à Laurence. Merci. Le rallye des vers de terre. Donc cette fois-ci chez Gigamic. Voici la boîte. On est bien dans le thème du potager au printemps. C'est parfait. Il me semble que ceci est une réédition. Le rallye des vers de terre. Voici. Donc, vous avez toujours tous les éléments. Une petite parenthèse, là, quand je vois le petit logo télécharger la règle du jeu sur le site, je ne sais pas si vous savez que sur notre site, vous pouvez télécharger toutes les règles du jeu. Donc, à la fois les jeux que l'on présente là sur le site, mais aussi, il y a une rubrique où vous pouvez télécharger des plus anciens jeux ou si vous avez un jeu chez vous et vous avez perdu la règle du jeu, il est possible de la télécharger sur notre site. À toi, Laurence. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez les petits bouts de serpent que j'ai mis là ? Oui. Parfait. Donc, encore un potager. On est très bucolique aujourd'hui. C'est le printemps. Voilà. Donc, il y a des petites têtes de serpent. Voilà. Donc, chacun, il y en a un qui a le rouge, l'autre le bleu, etc. Là, on est dans un jeu de société. Hein. Et chacun va mettre son petit, vous voyez, la petite tête de serpent, là, hop, et elle va disparaître. Voilà, parce que les petits vers de terre, c'est bien connu, ça vit quand même beaucoup sous la terre. Alors, ensuite, chaque joueur à son tour va jeter le dé. Et là, si je fais bleu, alors bleu, c'est pas terrible. Les pièces bleues, elles sont toutes petites. Voilà, donc si j'ai fait bleu et que j'ai le vert rouge, je vais mettre la pièce bleue ici. Hop, et je pousse. Le joueur suivant, il va faire vert. Alors, celui-là, et c'est mieux, vous voyez. Vert, la pièce est déjà plus grande. Et s'il a le serpent, le petit ver de terre marron, là, hop, il va mettre ici. Donc, il faut surveiller au fur et à mesure quelle pièce les joueurs gagnent. Parce qu'on peut parier à deux niveaux. On peut parier sur le vert qui apparaîtra le premier ici. Et alors, on parie quand on veut, mais avant de jouer, à son tour et avant de jouer. Et si je me dis, oh là là, le petit marron, là, il a quand même eu de la chance, il a gagné des grosses pièces, eh bien, je vais mettre une petite fleur. Voilà, pour dire, moi, je pense que c'est celui-là qui arrivera d'abord. Et comme moi, j'ai le vert rouge, eh bien, j'ai mis une petite pâquerette rouge. Si c'est bien celui-là qui arrive en premier, j'aurai le droit de rajouter une pièce supplémentaire. On peut également parier ensuite sur les fraisiers. Qui va apparaître le premier dans la case des fraisiers. Et celui qui gagne, c'est le premier qui monte sa tête au bout du jardin. Donc voilà, ce n'est pas compliqué, c'est amusant parce que voilà, ça progresse, il faut essayer de se rappeler, on ne sait pas trop ce qui se passe dessous, mais quand même, on a une petite idée. Et puis, ben, ça permet d'évaluer les longueurs. Merci. Nous passons à Pantolino, qui est un jeu de dés et de collecte pour réaliser le plus grand mille-pattes. On n'est plus chez les vers, mais on est chez les mille pattes. Voici la boîte et voici le contenu. Les éléments d'information sur le site. Le temps que Laurence finisse d'installer. À toi, Laurence. Alors là, on a des petites pièces, vous voyez, avec des mille pattes qui ont plein de, enfin, plus ou moins de pattes selon les pièces. Donc chacun démarre avec une tête. Une tête de mille pattes et chaque joueur à son tour, voilà, ma petite tête de mille pattes, va jeter tous les dés et je peux les relancer toute partie jusqu'à trois fois. Donc là, je me dis que j'en ai deux bleus déjà, c'est pas mal. Je relance celle-ci. Ah, encore une fois. Bon, je peux prendre deux bleus ou deux jaunes. Allez, je prends deux jaunes. Donc j'ai gagné une petite tuile avec deux papattes, voilà, que je vais mettre derrière ma tête. Donc voilà, donc c'est un jeu de dés, de prise de risque, enfin bon, d'opportunisme, on va dire.
pour essayer de gagner à chaque fois les barrettes les plus grandes possibles et pour à la fin avoir le mille-pattes le plus long possible. Voilà. Et c'est un authentique jeu de société par ailleurs. Merci. Alors maintenant, tête à queue. Tête à queue, un jeu de chez Gigami qui peut être a priori compétitif ou coopératif. C'est ce que je vois sur la boîte. Voici le contenu. Voici donc jouer avec plusieurs règles pour mesurer des serpents. Si. Donc là, voilà, on est toujours voilà, pour les. On a dit en maternelle, donc 4-7 ans parfait, 2 à 4 joueurs, des parties de 15 minutes. Et je laisse Laurence vous le présenter. Alors ça, c'est un jeu qui vient d'arriver. On l'a mis à vente sur le site hier. Alors, ce sont des pièces en mousse. On a estimé qu'elles étaient assez solides pour aller servir en collectivité. Chaque joueur, en début de partie, reçoit une tête de serpent et une queue de serpent. Voilà, de la couleur assortie. Et un truc très sympa, c'est que le jeu est livré avec plein de gommettes, beaucoup trop, donc ça permet voilà, d'en perdre, d'en coller, plein de planches de gommettes pour customiser les serpents. Voilà. Donc voilà, ça ne sert à rien, mais c'est super sympa, super mignon. Vous voyez, c'est quand même, ça fait un joli serpent. Donc on a chacun sa tête, sa queue. Voilà, on fait des piles avec. Les pièces, c'est important parce que quand on joue, on va pouvoir prendre uniquement la pièce du dessus. Donc, je vais vous expliquer la règle de base compétitive. Il y a deux règles compétitives, une facile et une plus compliquée. Et il y a deux règles coopératives, une facile et une plus compliquée. Et les règles sont vraiment assez différentes. Donc, ça fait comme si on avait quatre jeux avec le même matériel. Voilà, donc c'est rangé. Hop, hop, hop. Alors, je jette le dé. Et là, vous voyez sur mon dé, il y a orange ou vert. Et l'objectif pour cette règle-là, c'est que la langue de mon serpent soit le plus près possible à la fin de la partie de la queue. Donc, je vais pas courir après les grandes pièces et puis je vais essayer de le faire tourner pour rapprocher la queue. Donc voilà, là j'ai orange ou vert. Allez, celle-là, je vais prendre celle-là. Hop, orange, et je rallonge mon serpent. Donc au fur et à mesure, chacun va jeter le dé. Là, j'ai rose et orange. Hop, je vais commencer à tourner. Décale un petit peu le serpent, parce qu'il est derrière toi, en fait, Laurence. Merci. Voilà, donc au fur et à mesure. Alors, je peux les mettre comme je veux, les pièces, hein. Mais bon, comme mon objectif, c'est qu'à la fin. La queue soit tout près de la langue. Donc, je vais essayer de le rapprocher. On peut le faire se chevaucher, etc. Quand il n'y a plus de pièces, eh bien, on va rajouter voilà, sa petite queue. Et à ce moment-là, on a un mètre. Alors, le mètre, en fait, c'est juste un ruban. Et on a chacun une petite attache comme ceci. Voilà. Donc, je vais mesurer l'espace entre la langue et la queue. Hop. Voilà, moi j'arrive là et je vais mettre ma petite attache ici. Et chacun va faire ça autour de son serpent et après on va voir qui a couvert à la distance la plus courte. Donc voilà, donc on s'est dit que c'était un bon support pour estimer les mesures et puis ben voilà, aussi un authentique jeu de société très sympathique. Merci. Bon, j'espère que ça va toujours pour vous et cette présentation vous convient. Je n'ai pas beaucoup de questions, on n'est pas beaucoup interrompu, donc on considère qu'on est à la bonne vitesse, que les explications sont claires et que tout va bien pour vous. Nous avons donc terminé la catégorie comparée et là, nous allons commencer la partie ordonnée. Donc, apprendre à compter avec des engrenages. Voici le matériel. Je laisse Étienne vous le présenter. Avec plaisir. Merci Sabine. Donc voilà, on voit, hein, on est sur quelque chose de très classique. Ce sont des encastrements de 1 à 9 et puis des petits engrenages au-dessus avec une pièce pour le 1 et puis jusqu'à 9 pièces d'engrenage. Hop, je vais le mettre comme ça, 9 pièces d'engrenage pour le 9. Ce qui est intéressant, c'est que
On peut déjà commencer à s'amuser comme ça et puis à faire tourner les engrenages, les enfants adorent. En soi, c'est rigolo et intéressant. On peut aussi se dire que, par exemple, si je prends l'exemple du 5, donc on a 5 engrenages ici, et que si je fais tourner le dernier étage du 5, qu'est-ce qui tourne? Pardon, si je mets mon bras devant, vous n'allez pas le voir. Qu'est-ce qui tourne? Eh bien, c'est le 6, le 7, le 8 et le 9, alors que les autres ne tournent pas. En tout cas, si je les tiens, parce qu'évidemment, voilà, tac, ça ne tourne pas. Voilà, OK. Donc là, on peut commencer à travailler, par exemple, les notions de plus que, moins que. Au-dessus de 5, ça tourne. En dessous de 5, ça ne tourne pas. On peut aussi se dire que, par exemple, si j'enlève deux petits engrenages au 5, combien il en reste? Je fais tourner. Eh bien, ça va tourner jusqu'au 3. Alors, le 2 tourne aussi, mais c'est parce que, voilà, si je tiens un peu de claque, voilà, OK. Hop, comme ça, voilà, ça va tourner jusqu'au 3. Donc, j'en ai enlevé 2 au 5, hop, ça tourne jusqu'au 3. Donc, voilà, avec ça, on peut travailler quand même de façon intéressante la numération, la correspondance entre un symbole et le chiffre lui-même, et puis des aspects comme ça, plus que, moins que, etc. Donc, à partir d'un truc très, très, très simple et classique, on en fait un outil assez intéressant. Ça s'appelle « Apprendre à compter avec les engrenages » chez Gopi. Voilà. Merci. Jeu suivant, oliforme et couleur. Alors, on est parti sur les chenilles. Voici la boîte donc de chez Goula et la chenille que l'on va trouver. Donc là, on est sur des jeux manipulation pour réaliser des suites logiques. À vous, Étienne. Merci Sabine. Donc là, j'ai ma chenille que j'ai installée sous forme d'un puzzle. Je place là-dedans les petits ronds du côté gris, parce qu'il y a un côté couleur, quick, voilà. Et puis au départ, là, j'ai une vingtaine de fiches avec des activités logiques à réaliser. Donc au niveau 1, il y a 3 niveaux. Au niveau 1, comme ça, eh bien, il faut simplement que je parvienne à reproduire les différentes formes, donc on parle des formes et de couleurs, sur ma chenille. Donc là, on est comme ça, le petit, celui-là, il se trouve là, le carré, il est en troisième, le triangle, il est là, et l'étoile, elle est en dernier, j'ai tout bon. Si je complique un petit peu au fur et à mesure, ce sont des grosses fiches en carton bien, bien costaud, hein. Si je complique au fur et à mesure, eh bien, on va de peu à peu introduire la couleur dans les formes jusqu'à arriver à des choses entièrement comme ça. Donc à ce moment-là, il faut d'abord commencer par installer la bonne couleur, hop, 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 au bon endroit, quick. Ensuite, on a le vert. Ensuite, on a le rouge, le jaune et le violet pour repartir ensuite avec les formes. L'étoile est là. Le triangle, non, pas du tout. Vous voyez, je suis pas sûr de passer en grande section. Le tac, voilà. Le rond est là et le carré est là-bas. Je pense que j'ai tout bon. Bravo, Étienne. Merci. Et voilà. Et donc, il y a la correction au dos. Donc, c'est vraiment intéressant pour travailler cette notion de forme et de couleur avec un matériel simple, mais super, super bien. Voilà pour oliforme et couleur. Sabine, à vous. Oui, et nous terminons avec le jeu, le tiroir à bobettes, dernier jeu de la catégorie ordonnée, qui est un jeu de chez Placotte. Voici la boîte et les petites culottes à l'intérieur. Donc, ouais. Ouais, parce que les bobettes en québécois, ce sont des petites culottes ou des caleçons, comme on veut. Voilà. Donc là, on en a de toutes couleurs, motifs, etc., hein, qu'on enlève, hein, bien sûr, mais là, on ne l'a pas enlevé parce que le jeu, figurez-vous, est neuf. Clac, quoi, je vais en enlever un, il faut le montrer, mais ok, voilà, c'est comme ça. Tac. Voilà la petite culotte, et on peut la ranger là-dedans. Okay. Donc, voilà comment ça se passe avec nos petites culottes. Et on a évidemment tout un grand carnet de modèles avec 80, je crois, je ne crois pas me tromper, 80, oui, c'est ça, 80, 80 suites différentes, 80 modèles de rangement du tiroir à réaliser. Donc, comment ça se passe? Il y a plusieurs niveaux. On est tout d'abord sur un niveau tout simple
qui est le niveau reproduire. Reproduis-moi ce rangement de tiroirs. Donc, tac, 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 tac. Voilà, ça, c'est facile. Au niveau 2, ensuite, quand on a un petit peu avancé avec l'enfant, on peut partir de là et lui dire, voilà, on est sur un niveau de poursuivre. Maintenant, tu poursuis la suite qui est là. Donc, deux rouges, un avec des espèces de poissons et un jaune. Donc, tac, 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 et il va le poursuivre sur deux, comme je l'ai mis à la suite, mais c'est moins facile pour voir. Je vais le remettre comme ça. Voilà, sur deux séquences, il va pouvoir reproduire ce modèle-là. Il y en a plein d'autres, hein. Il peut partir sur des choses avec quatre différents. Voilà. Et enfin, le dernier niveau, ça va être de créer selon un modèle. Donc, on part sur un modèle-là avec deux, puis un, puis un. Donc, il va faire avec d'autres modèles de petits caleçons, BB, AA, pardon, AA, BC, par exemple. Voilà, mais avec d'autres modèles de couleurs. Mais il faut qu'ils comprennent la logique AA, BC. Voilà. Donc, on est d'abord sur la reproduction, puis la poursuite d'un modèle, puis la création, d'un autre modèle à partir d'un premier modèle. Voilà. Donc, on a un matériel quand même qui, au final, est assez riche par les éditeurs canadiens de placotte. Voilà pour la notion d'ordonnancement qui est extrêmement important. Et ça fonctionne à partir de 3 ans. Voilà. On passe dans la compétence dénombrer, compter. Donc, plus strictement dans les maths. À vous, Sabine, et je passe la parole à Laurence. Oui, alors, Étienne, on demande pour combien d'enfants ? C'est plutôt un enfant, ça, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul support. Il y a plusieurs culottes, mais il n'y a qu'un seul support pour les ranger, il n'y a qu'un seul tiroir. Donc, si on veut les ranger à l'extérieur du tiroir, ils peuvent probablement jouer à 2 ou 3, parce qu'il y a quand même pas mal de culottes possibles. Merci. Donc là, on va passer dans la catégorie dénombrer, compter, avec le premier qui s'appelle Compte les pommes et de l'éditeur dont Étienne a parlé tout à l'heure, Toys for Life. Voici donc la boîte, le matériel. Et on va vous expliquer un petit peu plus en détail. Et c'est Laurence. Alors, on a des plaques en bois avec des quantités, vous voyez, indiquées. La quantité, elle est exprimée avec un chiffre et aussi avec des points. Et l'enfant va prendre… Là, selon ce qu'on fait, on peut faire jouer 2 enfants ou 1, ça dépend. Voilà, donc là, par exemple, si je travaille sur cette fiche-là, eh bien, je vais devoir mettre 4 petites pommes dans l'arbre. Voilà, donc ça va comme ça jusqu'à 10. Et ensuite, pour les enfants plus grands, on peut leur demander de compléter l'arbre avec des petites pommes vertes. Et là, à ce moment-là, vous voyez, il reste 6 trous, on va faire les compléments à 10. On peut aussi… Par exemple, si un enfant a rempli 8 pommes là et 4 pommes là, voilà, ben si on met les 2 pommiers côte à côte, combien de pommes on a ? Voilà, donc on peut faire plein de comptes et de décomptes avec ce matériel-là. Et puis, ça fait accessoirement de la motricité fine avec les petites pommes qu'il faut mettre dans les trous. Ça ne gâche rien. Ça rappelle Mekki & Co. Voilà. Un autre jeu dont Étienne vous a parlé tout à l'heure, Numédingo. Donc, Numédingo PSMS. Donc là, on est sur du jeu de cartes avec des écritures de nombres différentes. Okay. Voilà la boîte. Voici un petit peu les explications et les explications de Laurence. Alors, donc un petit jeu de la série Didacool. Donc, les valeurs sont exprimées en chiffres avec une police différente. En constellation, sont exprimées en constellation avec des couleurs, alors que les premières, vous voyez, c'était noir sur blanc. Là, avec des couleurs qui changent, ils sont exprimés avec des coccinelles
Donc, il y a à la fois la coccinelle et les poings. Voilà, ils sont exprimés avec des coccinelles d'une autre couleur. Et alors, cette, vous voyez, ils sont exprimés avec des coccinelles qui sont rangées dans l'ordre habituel et également aussi un petit peu en désordre. C'est important, ça, que les enfants puissent vraiment compter, pas juste se repérer à ce qu'ils voient comme ça au premier coup d'œil avec les doigts. Voilà. Et avec des abeilles, donc pareil, des abeilles, vous voyez, très bien rangées, les abeilles en escadrille de 3, là, 4, 5, 6. Et puis là, ah ben, elles se promènent, voilà, mais voilà, c'est, les maths aussi, ça se promène. Et là, on a des constellations d'objets différents. Voilà, parce que ben, des objets différents, ça s'additionne aussi pour faire des quantités. Et à partir de ces cartes qui sont déjà bien riches, vous avez plein de jeux. Ça peut être juste un jeu au départ d'association, de tri, ça peut être un jeu de mémoire, ça peut être des enfants ont des cartes, on met un 2 au milieu de la table et tout le monde sort sa carte avec un 2. Ça peut être faire des suites en ordre croissant, ça peut être mettre un chiffre au milieu, on met à gauche le plus petit, à droite le plus grand. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Petite et moyenne section, c'est très riche. On me demande les nombres vont jusqu'à combien. J'ai vérifié, il me semble que c'est de 1 à 6. Oui, de 1 à 6. Petite et moyenne section, absolument, de 1 à 6. Merci. Donc après Numé Dingo, on va parler de Toucans to Ten chez Learning Resources avec des jolis toucans. Voilà, dit toucan pour apprendre les premières opérations en s'amusant. Et à toi, Laurence. Alors, les toucans, je vais essayer de vous les montrer de côté. Voilà. Vous voyez les toucans, comme ils sont beaux. Donc, ils ont des nombres. Donc, on peut les additionner, on peut les classer du plus petit au plus grand. Voilà. Déjà, à la base, on peut faire plein de choses avec les toucans. Imaginez que je les ai bien rangés. Un joli arc-en-ciel. Voilà, en plus, ça fait un joli arc-en-ciel. Voilà, chouette. Et. Et même je reste dans le champ. Ouais, magnifique. Plein de petites opérations. Donc, on a des additions, des soustractions. Je me remets par-dessus. Voilà, vous voyez, là, voilà, là, il faut donner le résultat. Voilà, 8 plus 0, 5 plus 1. En jaune, c'est les soustractions. 19 moins 9. Donc, en fonction des enfants que vous avez, ben, peut-être qu'il va falloir trier les cartes parce que ben, voilà, 5 plus 1, c'est plus facile que 16 moins 6. Et l'idée, c'est que les enfants, ils peuvent se mettre à plusieurs, là, pour deux coups. 9 plus 1, je dirais que c'est 10. Et hop, je vais le mettre dans le toucan 10. 5 plus 1, c'est 6. Je vais le mettre dans le toucan 6. Et après, ben, on pourra aller vérifier. On pourra aller vérifier avec l'enseignant si les réponses étaient bonnes. Voilà, donc un petit moyen sympathique de faire des mathématiques. Merci. Maintenant, nous passons à Perlix, qui est un jeu de Djeko, qui est un petit peu qui ressemble à un que nous avions déjà, avec un petit boulier et des quantités. Donc, jeu d'observation pour compter là jusqu'à 10. Voici. Et à toi, Laurence. Alors, ici, on a plein de fiches colorées. On en a 24. On a 24, voilà. Donc, avec des motifs. Voilà, vous voyez, il se passe plein de choses dans ces petites images-là. Et je vais devoir compter avec mon boulier. En jaune, les pieuvres. Donc, je vois trois pieuvres. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc, je mets trois perles. Ensuite, on a les petites algues. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vert et j'en vois 5. Hop. Ensuite, on a les coquilles. Les coquilles, j'en vois 4 et elles sont bleues. Hop là.
Et en dernier, les poissons. Ouh là là, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 9 poissons. Voilà. Et quand j'ai bien compté ma carte, je la retourne. Voilà. Alors, moi, j'ai fait à l'envers. Vous me pardonnerez. Et je vérifie que j'ai bien compté les petits animaux que vous me demandez de compter. Voilà. Efficace. Mignon à faire. Et là, c'est pour un enfant, par contre, clairement. Alors, on continue sur les dénombrés comptés. Après Perlix, nous parlons de Numérix. Voici la boîte. On est encore chez Gecko. Voici le matériel. Donc là, pareil, ils nous disent de un ou deux joueurs pour du dénombrement et de la reconnaissance de quantité de 1 à 10. À toi, Laurence. Alors, ici, vous pouvez mettre plusieurs enfants, mais il n'y aura pas d'interaction. En fait, le concept, c'est d'appareiller les choses qui ont la même quantité. Donc, vous voyez, et en partant de la case de couleur. Donc là, j'ai une main avec 4 doigts. Donc, je vais mettre une pince sur le 4 et je vais mettre aussi une pince là sur ma ligne de 4. Voilà, parce que j'estime que tout ça, ça représente le 4. Et ensuite, je retourne. Et ouais, j'ai bien mis les pinces à linge sur les cases vertes. Donc, c'est bon. Voilà, donc avec des pinces à linge, voilà, vous pouvez faire jouer plein d'enfants. Hein. Nous passons au jeu suivant, enfin au jeu, au matériel, on va dire, matériel suivant, qui sont deux tableaux, les tableaux pour compter de 1 à 5 et les tableaux pour compter de 6 à 10 avec des écritures différentes, des... Voilà. Voilà, je vous les ai mis à deux sur l'écran pour que vous les voyez et Laurence vous les montre un peu mieux. Voilà. Alors, vous voyez, ce sont des grands tableaux, hein, vous voyez, par rapport à mes mains, ils sont grands, donc il y en a deux. Voilà. Avec donc les expressions, donc le chiffre, le domino, ben on pourrait dire des fractions, hein, les étoiles et puis les rectangles. Moi, ce que j'aime bien, c'est que l'enfant n'a pas d'autre repère que de mettre les bonnes solutions. Parce que les choses où, même si on ne regarde pas les noms, mais juste parce que ça s'emboîte, on sait que c'est bon, bon, ça va bien un moment, c'est bien au départ, mais c'est bien aussi que l'enfant, il cherche pour de vrai. Donc voilà, là, c'est le cas. Les carrés, on peut les mettre vraiment n'importe où. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'on fait pour reproduire la même valeur sur la même ligne. Voilà, et on n'est pas obligé d'ailleurs de les mettre en colonne pour le coup. Donc voilà pour les deux tableaux. Merci. Donc là, on a fini la catégorie pour dénombrer, compter. Et on va passer dans le repérage spatial. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. On va se dépêcher. On en a encore deux catégories, repérage spatial et logique. On va se dépêcher pour que vous ne soyez pas trop en retard. Donc là, repérage spatial, eh bien évidemment, j'apprends la perspective. On en a encore trouvé un chez Toys for Life. Voici la boîte, le matériel en bois, comme on vous a annoncé tout à l'heure. Voici le contenu sur le site. Et je vous laisse Étienne le présenter. Merci Sabine, mais ça fait pas tout à fait une heure. Moi, je trouve qu'on se débrouille bien et qu'on va plutôt assez vite. Alors, en effet, donc, le repérage spatial, la géométrie, la perspective. Donc, ce premier jeu, j'apprends la perspective en effet chez Toys for Life. Toujours du bois, toujours de la qualité, avec des fiches, trois niveaux, premier, deuxième et troisième niveau, où il faut orienter sur, classer sur un petit support de domino comme ça. Tout un tas, je me remets en par-dessus, comme ça vous allez voir, tout un tas de petits trucs de la vie de la ferme, quoi. Voilà. Donc, par exemple, si je prends le niveau 1, j'ai le mouton, le fermier et le tracteur. On y va. Je mets donc le mouton est devant le fermier qui lui-même est devant le tracteur. Donc le mouton devant, le fermier ensuite et enfin le tracteur. Et en latéral, nous y voilà. On est pas mal. On est bien comme c'était indiqué. Donc la notion de devant, derrière, évidemment, ça se complexifie ensuite
avec des constructions qui impliquent beaucoup plus de matériel. Donc, ça devient un peu plus compliqué. On n'est pas juste sur trois niveaux, mais on est jusqu'à cinq niveaux différents avec parfois deux choses par niveau. Voilà. Donc, assez progressif et intéressant. En deuxième... Pardon, Sabine, à vous. Station des voitures de chez Placotte. Voici le plateau et les petites voitures. Avec les petits défis à relever. Donc, il y a 40 défis. Je laisse Étienne installer. Et voilà. Allez-y. On l'avait présenté dans un précédent webinaire, mais je ne sais plus autour de quel thème, mais c'est vraiment un jeu qu'on aime beaucoup. Donc là aussi, jeu canadien. Donc on a un grand plateau qui représente une ville, et il va falloir, avec un grand carnet de défis comme ça, avec plein de défis différents, de quatre niveaux différents, eh bien, aller installer les voitures sur le plateau. Donc les voitures, elles sont là, les petites bagnoles en plastique, ma foi, bien, bien sympathique, par rapport à des notions, des consignes. Donc, on commence par stationne la voiture rouge dans le stationnement de l'épicerie. Donc, l'épicerie, elle est là. Je mets la voiture rouge. Alors, ce qu'ils appellent épicerie, c'est probablement le supermarché, je pense. On aurait plutôt dit ça comme ça. Voilà. La voiture rouge dans le stationnement de l'épicerie, là voilà. Donc là, il y a quatre consignes pareil, la voiture jaune au poste de police, etc. Au fur et à mesure, on complexifie un petit peu les consignes. On est en avant, on est en arrière, on est à côté, on est entre la voiture verte et le camion rouge et blanc, à côté d'eux, au fond du stationnement de la maison rouge. Donc, si je dis au fond du stationnement de la Maison Rouge, ça va être là. Si je continue à complexifier, on a 40 défis. Hein. Stationne la voiture or, qui est là, le plus proche possible de la voiture blanche, ou alors le plus loin possible, voilà, entre les voitures de police, au milieu du stationnement de la Maison Jaune, etc. Donc là, on est vraiment dans un repérage spatial qui devient extrêmement riche. Et puis, on a des petites cartes comme ça avec à la fois des emplacements et des voitures pour que les enfants puissent aussi, ou les maîtres, enfin voilà, créer leurs propres consignes et utiliser le vocabulaire qu'ils ont appris. Donc, un matériel vraiment sympa, original et riche. Il y a même des petits permis de conduire. Au fur et à mesure qu'ils ont tamponné toutes les voitures, les enfants gagnent un petit permis de conduire comme ça, ils adorent. Voilà. Et à chaque fois au dos, il y a la solution. Absolument. Voilà pour stationne tes voitures. Je n'avais pas vu si les consignes étaient écrites. Oui, elles sont écrites. Oui, les consignes sont écrites. Voilà, les consignes sont écrites. Et voilà, ça, c'est intéressant parce qu'il y a la voiture rouge aussi, donc on peut la lire avec l'enfant. Stationne là, et l'enfant dit voiture rouge, en avant de la maison rouge. Voilà. Hop. Et enfin, parmi donc les nombreux... J'arrive vite. The Mirror, il y en a deux modèles. The Mirror Faces et The Mirror Images. De chez Jeco, qu'Étienne va vous présenter. En fait, il y en a même trois modèles, mais il y en a un qui est à partir de 6 ans. Donc, on vous en présente deux. Un qui est à partir de 4 et un qui est à partir de 5 ans. Donc, celui-là, c'est The Mirror Images à partir de 4 ans. Donc, on a tout un tas de modèles à reproduire avec de la symétrie grâce à des petites cartes comme ça qu'il va falloir mettre à côté, enfin insérer en quelque sorte dans le miroir. Donc par exemple, là j'ai une sorte de souris à deux faces là, et si je la glisse comme il faut dans le miroir, eh bien ça me fait une souris verte, tac, qui courait dans l'herbe, là voilà, hop, et on a des choses au fur et à mesure. Évidemment, un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe avec, je ne sais pas quoi, cette espèce de chose que je ne réussis pas trop à déterminer. Quand je la mets voilà, là-dedans, eh bien, ça fait une petite tortue. Moi, je n'aurais pas su dire, par exemple, qu'il s'agissait d'une tortue à reproduire. C'est pour ça qu'on se trouve à ce moment-là dans un niveau
dans un niveau supérieur. On doit être au niveau qui était resté dans la boîte. Oui, voilà. On est au niveau, voilà, ce niveau-là. Et il faut donc reproduire ça avec ce petit élément-là. Donc, pas si évident. Donc pour le travail de la symétrie. Et ensuite, au niveau le suivant, c'est la même chose, mais un peu plus compliqué, avec The Mirror Faces, où on a... parce que le principe est exactement le même. On a pour le coup un grand miroir, hop, que je vais mettre comme ça. Tout un tas de cartes de différents niveaux avec des objets à obtenir, avec une liste de ce dont on a besoin pour les obtenir, ce qu'on doit obtenir grâce à tout un tas d'éléments cartonnés comme ça qui se trouvent dans la boîte. Je me remets par le haut là. Voilà. Tout un tas d'éléments cartonnés pour construire des visages. Et par exemple, donc, si je prends celui-là, je dois pouvoir y arriver. Je vais me remettre sur le côté, hop, en latéral. Je dois pouvoir arriver à construire à peu près ce truc. C'est-à-dire, je vais répéter toute la matinée. Hop, ça doit ressembler à ça. Hop, hop, et hop, peu ou prou, je dois avoir un truc comme ça. Voilà, et hop, voilà, on y arrive. Donc, pas si simple en symétrie, hein. Là, je suis au niveau difficile, bien évidemment. Il y en a des beaucoup plus faciles. Mais un vrai exercice de repérage à partir de 5 ans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut poursuivre aussi en primaire. Donc, on a beaucoup d'autres choses autour du repérage spatial. Mais là, on vous présente juste quelques nouveautés. Et on termine avec Laurence et avec quelques jeux de logique. En effet, dernière rubrique avec des jeux de logique, avec un premier coffret puzzle en bois Tetris. Voici la boîte, donc en bois, les éléments en bois et des cartes où il va falloir positionner les éléments. J'ai un peu tout dit en fait. Jeu de logique évolutif avec 30 défis. Et je vous laisse, c'est Laurence. Alors, des jeux de logique, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on en a plein, des jeux de logique pour jouer seul, des jeux de logique à plusieurs. Et nous serons d'ailleurs, pour ceux qui habitent en Ile-de-France, présents au Salon des Jeux Mathématiques qui se tiendra Sabine va nous redire les dates, mais place Saint-Sulpice. Donc voilà, on a bonheur à retrouver le chemin des salons, enfin. Donc ici, c'est un jeu très classique, avec plein de pièces en bois, des fiches ici, voilà. Et il va s'agir de... Voilà, donc des fiches réversibles. Et en fait, il va falloir faire correspondre à la fois les couleurs et les trous. Vous voyez, il y a des carrés, il y a des ronds. Et sur les pièces, il y a aussi des carrés et des ronds. Donc, il faut faire correspondre donc le carré, le rond, je ne sais pas où il va. Et il faut qu'à la fin, toutes les pièces se tiennent dans le rectangle. Voilà, c'est un casse-tête. Et il est donné à partir de 4 ans. Ce qui n'est pas volé. Ah, je suis perdue. Pardon. J'arrive. Autre jeu, Animologix. Donc là, pour reconstituer des images d'animaux, mais par superposition cette fois-ci. Donc avec un fond, un motif, une forme pour représenter les animaux. Donc là, on a un socle en bois et 24 cartes translucides pour représenter les animaux. À toi, Laurence. Voilà, donc le socle en bois, on a des cartes translucides ici, voilà, avec des petits trous sur les côtés. Et voilà, si j'ai un modèle, donc par exemple ici, l'oiseau avec des écailles bleues, il va falloir que je trouve la silhouette de l'oiseau. Voilà. Ensuite, il va falloir que je trouve les petites écailles. Les petites écailles, les petites écailles, et voilà. Hop.
Et enfin, il va falloir que je trouve la couleur bleue et il va falloir que je mette tout ça de sorte à ce qu'à la fin, ça me reproduise le même modèle. Le bleu. Voilà. Donc, comme jeu de logique, c'est gentil. Hein. C'est gentil, c'est à partir de 3 ans. Voilà. Et regardez mon bel oiseau. Magnifique. Voilà, pour animologique. Alors, dernier jeu de cette rubrique des jeux de logique, le festin des chenilles. Donc là, on va chez les grands quand même de maternelle. Alors, voici la boîte, voici le jeu. Donc, on a des chenilles, 3 chenilles articulées qu'il va falloir repositionner. À toi, Laurence. Alors, pour les jeux de logique et notamment les SMART, on vous fait au fur et à mesure des fiches pédagogiques qui reprennent tous les défis sur une même fiche avec des petites croix. Donc, l'enfant peut mettre son nom sur la feuille et au fur et à mesure qu'il avance dans les défis, il va cocher les défis qu'il a fait, ce qui permet d'avoir un suivi de son travail. Donc, petit à petit, on avance avec pour objectif d'avoir des fiches pour tous les jeux. Et là, on vient de faire celle sur le festin des chenilles. Il ne reste plus qu'à la mettre en ligne. Donc, ça va être fait ce soir ou demain. Et c'est gratuit. Voilà, il suffit d'aller sur la fiche produit. Et en fait, vous faites comme une commande, mais sauf qu'il n'y a pas à payer. Voilà, et ça vous permet de télécharger les fiches. Alors ici, vous avez une pomme qui, vous voyez, qui tourne comme ceci, là. Voilà. Donc, on prend un défi. Là. Voilà. Et ici, il y a marqué 1, 2, C, 4, C. Donc, le 1, le 2, le C, le 4 et... Voilà. Donc, on a en fait un plateau de jeu, du coup, différent à chaque fois. Voilà. Et ensuite, je sais que là, j'ai une tête bleue. Là, je vois que j'ai une tête jaune. Et là, comme c'est le premier défi, c'est très gentil, on me dit... comment mettre la chenille. Et vous voyez, les chenilles, elles se coudent. Donc ça, c'est une difficulté en soi. Voilà, donc je vois que la verte est là. Comme je sais que la jaune est là, voilà. Et la bleue, je sais que la petite tête est là. Et voilà, j'ai fait mon défi. Et bon, c'était le premier, hein, c'était facile. Et ça, c'est donné à partir de 4 ans. Non, 5 ans. D'accord, c'est pour ça. C'est les grands de maternelle. Donc voilà, c'était le dernier jeu qu'on voulait vous montrer parmi les nouveautés. Si vous avez des questions à nous poser, nous sommes tous disposés à tenter d'y répondre. Oui, alors on écoute vos questions. Moi j'en ai, alors non, j'en ai déjà une. Ah oui, il y en a qui sont arrivés en retard et qui me demandent un petit peu. Alors, je rappelle que comme vous êtes inscrit au webinaire, vous allez recevoir d'ici quelques jours le lien du replay ainsi que le catalogue en PDF de tous les jeux que nous venons de présenter ce jour, ainsi que le petit tableau et le catalogue de tous les jeux que nous avons sélectionnés en mathématiques avec les différentes catégories présentées aujourd'hui. Moi, j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui. C'était quel jeu a retenu votre attention? Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vraiment vous a marqué, vous avez découvert et en disant « mais il me le faut absolument ». Quelle serait votre réponse? Donc, vous pouvez me répondre soit sur la discussion, soit sur le QR, comme ça vous arrange. Et en même temps, je vais vous répondre parce que j'ai une question qui me dit est-ce qu'il serait possible d'avoir un webinaire? Parce que là, on avait axé les mathématiques en maternelle. Et en fait, en recherchant dans l'historique, il y a un an, nous avons fait déjà un webinaire qui était avec la thématique. Donc, c'était le 4 mars 2021 où on avait fait un webinaire sur 20 jeux pour favoriser le calcul mental en école élémentaire.
Donc, on me demandait est-ce que j'avais une enseignante d'ULIS qui était sur un plus grand secteur maternel et élémentaire. Voici, en regardant ce webinaire, ça peut également vous donner des idées. Oui, on avait d'ailleurs aussi fait un webinaire sur Kuisner, sur la pédagogie Kuisner. Oui. Tout cela, tous les webinaires, vous les retrouvez soit sur notre site, soit sur notre chaîne, la chaîne YouTube de Didacto. Oui. Alors, les réponses sont assez variées. Donc, entre The Mirror, les voitures, le toucan, Wrigglesworm, il y en a a priori pour tous les goûts. Donc, ça veut dire que la sélection était assez variée et riche. Et mon autre question était, quel jeu vous verriez-vous détourner? Est-ce qu'en en voyant là, les jeux qu'on vous a présentés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un que tout de suite vous pensez détourner par rapport à sa règle initiale? Sachant que l'ensemble des jeux, enfin la majorité des jeux étaient déjà très très ouverts. Oui. On me demande si nous redire comment obtenir les fiches de suivi des Smart Games. En fait, en allant sur le site, sur le produit, vous pouvez télécharger, mettre dans votre panier en fait la fiche pédagogique gratuite. Vous mettez dans votre panier comme si vous faisiez une commande, mais là qui va se retrouver avec une commande zéro. Et dans votre compte client, vous pourrez télécharger tous les documents que vous aurez mis dans votre panier. Et s'il n'y a pas de fiche dans le jeu, c'est qu'on ne l'a pas encore fait. Et si elle vous manque beaucoup, vous avez le droit de nous faire un mail pour qu'on la passe devant. Oui, parce que là, vous voyez que, par exemple, que le festin des chenilles, là en bas, on ne le voit pas. Mais si on reprend… Les trois petits cochons, par exemple. Petit cochon de Smart. Vous voyez, vous pouvez télécharger la fiche pédagogique. Donc, ça va arriver là-haut dans votre panier. Vous validez votre commande qui sera donc à zéro. Et sur votre compte, vous pouvez télécharger les fiches. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous faire un petit retour par mail ou sur les réseaux sociaux, comme ça vous arrange, si vous aviez des suggestions de webinaires prochains à organiser, des thématiques où vous bloquez un petit peu, si vous avez un peu besoin d'aide pour nous dire un petit peu sur des jeux que l'on pourrait vous présenter. N'hésitez surtout pas. Peut-être revenir là, ce sera plus simple. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Et puis, on vous dit à très bientôt. J'espère avoir tout répondu. N'hésitez pas s'il y a quelques... On vous remercie d'avoir été là avec nous pour cette découverte de nouveaux jeux. Merci d'être toujours aussi présent. On vous souhaite une bonne après-midi. On vous envoie très, très rapidement le lien du replay et le catalogue. Et puis... Belle après-midi à vous. Au revoir. Allez.